Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Empire and Puzzle. Donc du coup, on va faire un petit point vite fait sur le résultat de ce tournoi pour voir un petit peu comment on s'en est sorti. Euh, du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil à la défense, donc du coup j'ai réussi à finir rang 711, ce qui n'est pas trop mal. La défense, bah, je pense qu'elle a dû finir en A euh, bah, tout au long... Euh, de bah de l'aventure hein, puisque euh... Là je, viens, je crois que je viens de marquer encore 900 points d'après mon score euh, final sur mes frappes. Je crois que j'étais arrivé à 15 000 et quelques, 15 035 sans doute. Et j'ai dû prendre les, 9, les 900 points donc, de la défense en A. Donc défense qui a terminé en A systématiquement. Donc du coup, c'était le petit tips que je vous avais donné pour ce, ce, ce type de défense. Donc, vous voyez, euh, pour ce type de tournoi, pardon. Donc un petit butin sympathique quand même. Hein. Euh, C'est cool. Alors je sais que... Je sais pas si on peut voir encore euh, accès au tournoi. Donc il y en a qui ont terminé à, à 17 500 quand même. Hein. C'est très très beau, très très joli. Euh, du coup, donc euh, j'ai réussi donc euh, mes attaques. Jusqu'à la fin, où j'ai perdu à la fin, j'ai une défaite là. 2, 3... Et je m'en suis sorti. Et le tout dernier match, j'ai perdu. Donc, euh, j'ai pas eu -besoin de, de besoin de remettre 75 gemmes. Mais mes défaites sont quand même passées très très proches de... Euh, très très proches, on va dire, de, de la fin, de la réussite en fait. Parce que là, j'ai marqué quand même 348 points sur cette défaite ici. Euh, si on redescend sur ces défaites-là, il y en a une là où je me suis vraiment fait laminer. J'ai dû abattre qu'un seul adversaire. Euh, ici, euh, j'ai dû en abattre 2-3 sur celle-là, là, 247 là. et celle-là, 236. Ouais, 2-3 adversaires encore, donc euh, c'était plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la défense hein, qui a quand même réussi à tenir le coup jusqu'au bout. Donc je vais la remontrer quand même pour qu'on puisse euh, bah, s'en inspirer pour les prochains tournois. Du coup, hein. euh, donc une défaite ici, deux défaites, trois défaites, quatre défaites en tout. Quatre défaites sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matchs. Sur 12 matchs, 5, 5 défaites. 4 défaites. Euh, voilà, ça fait un ratio de 2 tiers, donc de 66% de réussite pour cette défense. Cette défense qui était... Où était-elle Classement. Est-ce que je peux revoir ma défense du coup C'est possible ou pas Règle. Classement. Non, c'est pas là. Butin. Butin. Ouais. Euh, du coup, la défense, la défense, elle est là. Mais je vais, je, je vais plus avoir de visuel dessus. Du coup, quel bien dommage. Euh, mais bon, euh, bon, dans la précédente vidéo, donc je l'avais faite. Euh, du coup, je vais essayer de la, de la remettre en place ici. Je, je, je me souviendrai toujours de mon gâteau qui était à la fin. Ça, c'est sûr et certain. Alors, gâteau, c'était sûr, il était là. Euh, je crois que j'avais mis le grève-le. Euh, il est où le grève Attention, faut pignocher dans les trois étoiles. grève était là. Je sais qu'il y avait euh... Berden qui était là. Il y avait Bane ici, voilà. Et je crois que c'était Tyrom qui était comme ça. Voilà, je crois que c'était cette défense que j'avais euh, affichée. Je, je crois, il faut que je me souvienne si c'était ça. Maintenant, c'est vrai qu'à choisir, je pense que... Oh, je crois que j'aurais gardé Tyrom quand même, parce que je viens de finir de monter le Balthazar costumé que j'ai eu. Euh, il aurait pu éventuellement remplacer en tant que sniper efficace, mais donc comme c'était euh, un tournoi, donc comme je le redis, sans soin ni résurrection, donc les dégâts s'enchaînent et vont très 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 vite. Donc du coup, c'était très intéressant de positionner le grève là qui octroie le plus 30% d'attaque pendant 4 tours euh, et entouré de très bons snipers. C'était quand même très efficace, sachant que le rouge était interdit. Donc voilà, c'était les résultats de ce tournoi. Donc voilà, si, si, si vous avez une défense à noter, notez-le dans un coin, parce que si vous pouvez vous la refaire, vous pourrez tester, voir ce que ça donne. Ça donne un ratio de victoire de 66%, euh, ce qui est loin d'être anecdotique. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire comme petit point Donc là, on va jouer contre des Russes cet après-midi. Donc en GDA, j'ai pas été voir un petit peu sur le champ de bataille ce que ça donnait. Donc euh, pour l'instant, euh, évidemment, vous avez entendu parler sûrement de, du debuff qui va avoir lieu très très bientôt. René Gain en a parlé dans une de ses vidéos, là, donc euh, les nerfs de Telluria et de Vela. Encore une fois, donc ces deux personnages emblématiques euh, bah, de nos défenses euh, vont être, euh, être chamboulés. On va se retrouver donc euh, à devoir peut-être composer différemment. C'est bien, quelque part. Et pas bien. Alors, pas bien parce que bah, beaucoup de joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient pour avoir les Tellurias et monter ce personnage. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu regrettable. Il euh, y a beaucoup de gens, donc, euh, même des, des, des gens beaucoup plus modestes qui ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient pour monter des tellurias, hein, qui auraient pu monter des, des personnages comme Liana, bien sûr, ou, ou, ou d'autres personnages beaucoup plus classiques, mais qui restent quand même efficaces, ont choisi de monter telluria parce que c'était le personnage à la mode. Et malheureusement, se retrouvent, bah, contraints de peut-être d'abandonner leur projet, hein, Moi, j'ai des, des gars de mon équipe, hein, C'est, c'est malheureusement, euh, ben, bah, une grosse partie de leur puissance. Par exemple, je crois que mon cher Nolim, qui est là, euh, son Telluria en vert, je crois que, bah, il en a pas beaucoup d'autres. Euh, je pense à Death Switch aussi, qui, je crois, lui aussi, a mis tout ce qu'il pouvait dans le, dans le Telluria. Maintenant, si on se retrouve à avoir, euh, une Vela aussi qui perd de la puissance, Surtout contre les, le feu quoi. Ça va, disons que ça va fragiliser, on aura on a un Telluria qui va faire euh, donc de 130% de dégâts à 115. Bon, il faisait déjà pas beaucoup de dégâts, disons qu'il en fera encore moins. Euh, Telluria c'est pas un sniper, hein, donc automatiquement euh, sa baisse de puissance euh, ne va pas forcément euh, impacter violemment euh, le jeu. Je pense pas, ça changera pas grand chose. Par contre, c'est la Vela hein, qui impactait sérieusement les... le rouge. Et là, elle fera plus de dégâts du coup. Elle va monter à 170% de dégâts à tous les ennemis. Donc, son dot ne changera pas. Mais par contre, le inflige les dégâts supplémentaires contre le feu va être supprimé. Ça veut dire que les monos rouges, euh, donc, qui sont alignés face aux défenses Telluria, vont devenir quand même plus efficaces. C'était quand même quelque chose d'intéressant. Maintenant, je pense que, honnêtement, si on a aligné autant d'équipes de, de, avec des personnages verts dans nos défenses, autres que les Tellurias, euh, c'était bien évidemment pour euh, soutenir et rester dans, dans, le, dans le move, hein, de, de rester dans, le, dans, la, dans la méta. Et de, de soutenir, disons, les Tellurias. Parce que là, des Telluria, nous, on en a quand même quelques-uns. Là, je regarde, on en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sur 28 engagés, ça veut dire qu'il y a 50% de Telluria dans cette équipe. Alors, c'est pas le bout du monde, hein. J'imagine que des équipes sont 100% Telluria. Euh, maintenant, si on s'était orienté vers, jusqu'à maintenant. Euh, C'est parce qu'il y avait Telluria. Telluria, aidé, épaulé d'une Vela, ça devenait vraiment redoutable. Maintenant, si le, le nerf qui est euh, euh, appliqué sur la Vela euh, devenait vraiment trop brutal et favoriserait l'emploi et l'utilisation des monos rouges, là je pense qu'honnêtement, nous allons arriver quand même à un stade où ces défenses-là vont être abandonnées pour un autre profit plus efficace, que, qui me semble plus logique. C'est à voir, c'est une hypothèse. Hein. Donc, euh, le problème c'est que c'est un mix qui fonctionnait comme ça. Euh, la baisse du, de la puissance du Telluria, pour moi, euh, ne changera rien. Maintenant, la Vela, qui se retrouve malheureusement euh, baissée en puissance contre le rouge, ça va vraiment, vraiment être préjudiciable donc, pour les défenses qui sont sur cette base euh, donc de, de vert, vert, bleu, vela, quoi, honnêtement. Donc, ça, ça va être une chose à voir dans le temps. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner, euh, j'en sais rien. Donc, euh, il va falloir que ça se teste. Pour moi, ça va porter vraiment sérieusement préjudice, vraiment à, à, au. Au mix défensif, donc au trio défensif bah, Telluria, Vela, GraveMaker, Maker, hein, qui était relativement efficace aujourd'hui. Euh, c'est le temps qui nous le dira. Maintenant, pourquoi c'est bien, pourquoi je trouve ça bien C'est que, honnêtement, les Telluria, Vela, GraveMaker, Maker, moi j'en ai ras la casquette de voir ça. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, moi en raid, hein, j'ai choisi d'architecturer ma défense sur un tout autre système. Ça amène son, sa petite touche, c'est un petit peu différent, c'est pas ultra performant, c'est pas mauvais du tout. Euh, maintenant j'ai choisi en fait de défendre avec le chevalier noir qui pour moi est l'un, si ce n'est le meilleur, ça ce sera au choix des, des, des gens de, de, de le faire. C'est chacun voit en fait euh, la, la, la puissance d'aéro telle qu'il la conçoit. Moi je trouve que le chevalier noir pour moi, c'est si ce n'est pas le meilleur, euh, c'est l'un des meilleurs euh, défenseurs au monde dans le, de, le monde de Empire and Puzzle. Euh, avec son boost énorme d'attaque de, de, qu'il octroie à l'équipe, c'est comme quelque chose de formidable. Et donc dès du coup, j'ai choisi d'architecturer euh, cette équipe donc sur un anti-bleu avec un anti-rouge. Et un anti-jaune. Ce qui donne des résultats qui sont plus que conséquents, plus que considérables. Maintenant, si la Vela commence à perdre en puissance aussi, ça va considérablement, euh, bah, abaisser, euh, disons, euh, le, la puissance aussi même de cette équipe défensive. Hein, puisque elle n'est pas à base de Telluria, mais elle se sert quand même aussi de l'énorme puissance de Zéline contre le bleu. Et du coup là ça peut inspirer les joueurs à jouer rouge, donc d'être quand même relativement efficace sur le chevalier, mais en restant très très efficace sur la zéline et donc faire une percée on va dire plus, plus, plus définitive, plus décisive, euh, donc si la Vela se retrouve nerf aussi quoi. Donc j'avais déjà anticipé le tir moi et essayé de trouver des, des, des optimisations défensives différentes du telluria parce que j'ai horreur de faire comme tout le monde, c'est quelque chose qui m'agace et qui m'énerve au plus profond de mon être. J'aime bien trouver des choses différentes à proposer. Donc c'est pour ça que j'avais proposé cette défense à base de chevalier noir. Maintenant, changer un petit peu les choses pour passer sur quelque chose de plus sympa. Euh, comme bah, de l'optimisation défensive un petit peu différent, ce qui nous pousserait à utiliser on va lire, des, des, des persos, à utiliser un petit peu d'autres personnages, etc. Changer un petit peu euh, la façon dont le jeu est orienté ces derniers temps. Là, on a une, une Ursena. On va peut-être revoir de la Ursena du coup. Voilà, Telluria. Bah, Telluria, ça va être... C'est quand même... Voilà, c'est 80... 10, 95% peut-être de toutes les défenses quoi. Donc du coup, euh, c'est voilà, on... là encore une Ursena, Ursena qui va peut-être revenir un petit peu sur le devant de la scène. Mais voilà, majoritairement, voilà, c'est du telluria quoi. C'est du tellu, c'est du tellu, c'est du tellu. Dans 90, 10, 95% des cas. Oh là, tiens, euh, petit changement là, mais <laughs> intéressant. Intéressant ce changement là. Et donc la Vela, là c'est pareil, elle est bien placée. Et sa défense, à lui, c'est pareil. Si la Vela devient moins forte, lui, il va devoir changer. Euh, et donc euh, s'adapter, euh, comment dire. Euh, et il et, devra changer ça forcément. Et quelqu'un qui ferait une base rouge pour attaquer ce genre de défense, vra vraiment en position de force avec une Vela qui fait plus ses dégâts. Donc je ne sais pas quand est-ce que le patch va arriver. Il va arriver incessamment sous peu, très certainement. Donc voilà, encore du Vela, du Telluria Vela. Donc ça c'est sûr que si on en voit moins à un moment donné ça peut être vraiment cool cool cool. Maintenant par quoi ça va être remplacé On va revenir aux bonnes vieilles méthodes, aux bonnes vieilles habitudes de fabrication de défense. Ça peut relancer quand même un petit peu de suspense dans le jeu et un petit peu d'intérêt. Susciter, ressusciter l'intérêt d'aller affronter, d'aller se battre en raid pour certains. Euh, pour espérer peut-être ne pas euh, essuyer des échecs cuisants sur les défenses telluria, telluria vela. du coup, euh, je vais conclure cette vidéo donc en remerciant mes fidèles abonnés, vous êtes beaucoup, beaucoup, vous commencez à être énormément à me suivre. ça me fait vraiment plaisir. j'essaie toujours de, de trouver des, des petits agréments. là, le mois va pas tarder à se conclure. donc la vidéo du prochain HTM va. Pas tarder à arriver. Euh, donc, on a créé, sachez-le, une deuxième équipe qui s'appelle The Second Legendary. Euh, donc, qui est déjà presque pleine hein, puisque en fait, il y a eu un engouement terrible pour cette pour cette deuxième équipe. Euh, sachez ceci. Je vais sans doute créer très très prochainement. Là, il faut que je m'organise, puisque là, gérer trois équipes, deux, c'est déjà compliqué. Mais trois, ça va être encore plus dur. Mais je pense que je vais essayer de créer une académie légendary pour pouvoir, on va dire, diffuser le maximum d'informations et aider surtout tous les jeunes joueurs, ceux qui démarrent et qui s'accrochent, euh, donc à jouer et à apprendre à jouer, à maîtriser leurs cartes, à maîtriser leurs decks, leurs défenses, leurs troupes, etc. Il y a une vidéo troupe que je prépare avec des exemples très concrets qui va arriver très très prochainement. Là j'ai hâte de vous la montrer celle-ci parce qu'elle va montrer l'extrême importance et l'implication des troupes euh, bah, dans une équipe. Hein. Et ça, c'est vraiment, vraiment super cool. Donc ça, ce sera une vidéo qui sera catégorisée quand même de niveau avancé, bien sûr. Donc voilà, la deuxième légendaire est d'ores et déjà pleine quasiment. Donc je pense que je vais être en préparation d'une euh, troisième équipe. Euh, vous le saurez très rapidement de toute façon. Les amis, je vous fais de très gros bisous. Je vais vous quitter sur une petite note musicale parce que ça me tenait à cœur. J'avais envie de vous montrer un petit truc sympa. Donc je vous laisse. Donc sur cette petite note musicale, je vous fais de très gros bisous. Je vous adore fort et je vous dis à très bientôt.